Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Guillaume Sorel à la librairie pour l'adaptation du Horla aux éditions Rue de Sèvres. Alors, ma première question, Guillaume Sorel, pourquoi avoir choisi le Horla ? D'abord, il faut expliquer pourquoi déjà une adaptation. C'est vrai que toutes mes BD depuis toujours évoquent d'une façon ou d'une autre la littérature, et en particulier la littérature du 19e. Donc voilà, la question à un moment s'est posée de savoir si ce ne serait pas plus simple de faire à un moment une vraie adaptation et d'être clairement sur un travail comme celui-là. Donc ça a été ça la première démarche. Après, pourquoi Maupassant particulièrement? Tout simplement parce que c'est un des auteurs que j'ai lu le plus jeune. J'habitais à l'époque sur les lieux de l'action du Horla. Et donc forcément, c'était un passage obligé dans la famille. Tous les mômes devaient à un moment ou un autre se taper du Maupassant. Et c'est vrai que lire Maupassant, et le Horla en particulier à 12 ans, ça crée une impression suffisamment forte pour qu'on s'en souvienne toute sa vie et qu'on soit tenté effectivement à un moment, au moment où se propose la chose, d'attaquer Maupassant. Après Zweig, après le Horla, avez-vous une autre œuvre littéraire dans le viseur ? Oui, a priori, là, je vais faire une petite pause parce que j'ai prévu quelque chose avec Serge Le Tendre depuis pas mal de temps. Mais dès que ce travail-là est terminé, je démarre sur Barbet d'Aurevilly. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le Maupassant soit le premier d'une trilogie autour des auteurs normands, donc du 19e. Donc ce sera Barbet d'Aurevilly et ce sera un extrait des Diaboliques. Et puis derrière, probablement Flaubert. Mais là, je ne sais pas encore le texte que je vais adapter. Un dessin flamboyant, des couleurs majestueuses. Quelles sont vos influences graphiques ? Voilà, elles sont tellement multiples en fait que c'est difficile à déterminer. Je me suis fâché avec des auteurs de ma génération à une époque parce que aussi virtuoses qu'ils pouvaient être, leurs inspirations étaient très simples et très limitées. On parlait de Mignola et de 2-3 auteurs américains. Moi, c'est vrai que ça va de tout le spectre de la bande dessinée. Et puis, c'est aussi beaucoup la peinture, c'est aussi beaucoup la sculpture, ce sera le cinéma. Et donc, c'est tellement vaste que je prends depuis toujours un peu partout. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un style qui est du coup moins identifiable par rapport à une inspiration précise. Vous êtes aussi illustrateur. Êtes-vous plus épanoui dans l'illustration ou la bande dessinée ? C'est deux travaux très très différents en fait. J'adore raconter des histoires, donc pour ça c'est vrai que la bande dessinée c'est l'idéal, mais c'est vrai qu'en même temps c'est aussi un boulot très prenant. Quand on s'engage sur un album, c'est des mois et des mois de travail. Et que l'illustration est aussi un domaine dans lequel on expérimente plus. Donc c'est vrai que là, j'ai enchaîné album après album. C'est à chaque fois des albums d'un volume assez important et donc c'est un peu épuisant. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un projet à un moment de s'arrêter un peu pour se consacrer qu'à l'illustration ou à la peinture. Parce qu'en fait, je pense que les deux sont importants pour moi et que la bande dessinée a pris beaucoup de place. Donc il va être temps à un moment que je me ressource et que je me renouvelle un peu, et ça passera par l'illustration. Votre regard sur la bande dessinée actuelle ? C'est très compliqué puisque j'en lis absolument pas. Donc, encore un moment, je disais que j'en lisais peu, mais je crois qu'il faut accepter l'idée. C'est qu'au final, je pioche chez les éditeurs chez qui je travaille quelques bouquins, et en général, c'est ma compagne qui les lit. Et moi, je me promets de lire des choses. Alors, c'est vrai que si Rabaté me file son dernier bouquin, je vais le lire, forcément. Mais Andreas aussi. Andreas, c'est vraiment un des auteurs que j'admire le plus, probablement. Mais ça fait un paquet d'années que j'achète les bouquins en me promettant qu'à un moment, je vais trouver le temps de le relire tout d'un coup. Parce qu'en plus de ça, que ce soit Capricorne ou Arc, c'est tellement d'albums que l'idée, c'est d'attendre peut-être qu'ils finissent et puis de relire tout à un moment, de prendre une année sabbatique et puis de m'engager là-dedans. Ça vous garde une certaine fraîcheur. Hein. Voilà aussi, peut-être bien. Ouais. Votre folie à vous, je crois, est la gastronomie, la cuisine. À quand une BD dans cet univers hein? Ben ça, c'est la faute à Rabaté, hein, si ça se fait pas. C'est méchant, mais... Non, on avait un projet en commun, en fait, de faire un album. D'ailleurs, je ne sais pas du tout quelle forme aurait pu prendre l'objet. Ça aurait pu être un livre de recettes, une BD, je ne sais pas du tout. L'idée, c'était de travailler sur les abats, un truc très porteur, qui plaît beaucoup aux gens. Et donc, de s'enfermer quand même un certain temps pour faire des recettes, réellement. Et puis derrière, de voir ce qu'on pourrait en faire en bande dessinée, sauf que ce soit lui ou moi, on n'a pas le temps en fait. Donc c'est devenu plus un sujet de plaisanterie qu'un projet réel. Donc voilà, je sais pas. La cuisine, je m'arrange toujours par contre dans mes albums pour qu'il y ait un moment une scène dans une cuisine. Voilà, c'est le seul petit truc qui reste de tout ça. Et votre plat préféré ? Alors là, surtout pas répondre, hein, parce qu'il y a trop de choses.
J'aime tout. Tous les styles de cuisine, toute nationalité. Je suis très ouvert là-dessus. Merci, monsieur Sorel. C'est moi qui vous remercie.